Bonjour et bienvenue sur Séquence Trail. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'hydratation. Je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu toutes les façons pour porter l'eau. En trail, comme vous le savez, on part en semi-autonomie, voire en autonomie complète selon la distance. Et du coup, on a besoin de prendre notre hydratation avec nous. Donc, on va voir ensemble tout ce qui existe. Je vais vous présenter ma façon de procéder, toutes les petites subtilités et tout ce qui fonctionne pour moi. Avant ça, je vais laisser parler Alexandra de First Fit. Donc Alexandra, c'est une petite nanette qui a monté une petite start-up et elle essaie de regrouper tous les bons produits, donc les produits bio, favorise le local. Et vous pouvez trouver ça sur First Fit. Donc allez voir sur internet, elle a monté sa petite boîte. Donc elle a fait une petite vidéo de présentation justement sur l'hydratation. Puis je vous fais une petite vidéo pour vous parler du sujet de la déshydratation, mais aussi de la surhydratation. Alors on va commencer directement avec le sujet de l'hydratation, c'est parti! Alors l'hydratation, les amis, vous connaissez tous, vous savez ce que c'est le fait justement d'avoir moins d'eau dans son corps que ce que le corps a besoin. En fait, il faut savoir que le corps est composé à 60-70% d'eau. 2/3 sont dans nos cellules et 1/3 à l'extérieur. Les sources de la déshydratation, elles sont nombreuses, on en connaît plein. On peut trouver effectivement la transpiration, on peut trouver la chaleur, on peut trouver justement un effort physique, on peut trouver des vêtements qui sont trop chauds également, on peut trouver tout simplement un métabolisme personnel. Le métabolisme d'une personne sera complètement différent à celui d'une autre et va pouvoir du coup engendrer peut-être une sudation plus rapide en fonction de la chaleur ou autre que son copain à côté. Donc tout ça, en fait, il y a plein de paramètres qui vont justement être source de la déshydratation. Alors les symptômes, les amis, les symptômes de la déshydratation, on peut trouver par exemple le teint un petit peu grisâtre, on peut trouver la peau, surtout au niveau des lèvres, les lèvres sèches, on peut trouver la langue sèche également, qu'est-ce qu'on peut trouver également, enfin il y a plein de petits symptômes qui apparaissent très vite et qui sont preuve justement de la déshydratation. Alors les effets, les amis, de la déshydratation, ils sont nombreux là encore. Chez les sportifs les plus connus, les plus courants, ça va être malheureusement les crampes, la tendinite, les vomissements, l'étourdissement, les douleurs les troubles de l'intestin, les troubles digestifs. Donc ils sont nombreux. Et une chose très importante que j'ai oublié de dire justement sur la déshydratation, c'est que effectivement on manque d'eau, mais de manière secondaire, en fait, on manque de sels minéraux, donc c'est-à-dire de sodium, de magnésium, de potassium, etc., etc. Alors, comment y pallier, les amis, à tout ça? Et bien, effectivement, il va être recommandé, du coup, de boire, mais de ne pas boire trop, puisque sinon, justement, ça peut entraîner l'effet d'hyperhydratation, donc c'est ce qu'on va voir plus tard. Il y a des boissons qui sont là, justement, pour réhydrater, des boissons avec des électrolytes, donc justement, le fameux magnésium, potassium, sodium, calcium que l'on peut trouver. Il y a des boissons isotoniques, donc il y a ces boissons-là qui peuvent être prises également lors d'un effort, en plus de l'eau, couplées à l'eau. Donc voilà, les amis, pour les différentes sources, pour y remédier. Maintenant, les amis, on se penche sur la deuxième partie, c'est-à-dire la surhydratation. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, en fait, c'est le fait de donner beaucoup d'eau à notre corps, plus que ce que le corps a besoin. Donc, en fait, ça s'appelle l'hyponamétrie. Je l'ai bien dit, c'était bien ça. Donc justement, alors qu'est-ce que ça peut engendrer? Quand la déshydratation, on peut trouver des troubles du comportement, on peut trouver des problèmes au niveau du ventre, problèmes digestifs, des vomissements, des troubles comportementaux et de la fatigue. Donc en fait, les amis, c'est important de boire, mais de ne pas trop boire non plus lors d'un effort physique, puisque certains justement qui vont partir dans la surhydratation vont pouvoir consommer jusqu'à 1 litre, 1,5 litre par heure d'eau, donc ce qui est un volume beaucoup trop important en fait, et à contrario certains vont boire peut-être que 200 ml d'eau. Donc il est conseillé de boire entre 400 ml et 600 ml d'eau par heure. Donc dites-vous que vous avez une flasque de 500 ml, voilà, vous la buvez dans l'heure. Et donc ça, c'est un petit peu le ratio justement qui est conseillé. Donc voilà les amis. Donc les amis, si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à aller faire un tour sur le site firstfit.fr. Donc c'est ma start-up. Donc c'est l'épicerie dédiée aux sportifs, c'est 100% français. Je souhaite mettre en avant justement le local et l'artisanal puisqu'on a de très très bonnes choses en France. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, regardez, commandez, goûtez et c'est adopté. À bientôt les amis.
Tiens, remercier Alexandra pour toutes les précisions qu'elle a apportées sur la déshydratation et la surhydratation. Du coup, maintenant, je vais vous montrer un peu moi ce que je prends. Lorsqu'on part sur du long, c'est intéressant d'avoir une boisson de l'effort qu'on puisse recharger au ravitaillement. Donc, pour moi, ça a été exit tout ce qui est remède de grand-mère, c'est-à-dire souvent vous allez entendre mettre un peu de jus de raisin, un petit peu de miel, tout ça vous couplez avec de l'eau, un peu de maltodextrine. Et c'est bien beau, lorsqu'on part de la maison, pas de souci. Et lorsqu'on arrive au ravito, comment on fait? Je peux me ramener mon sachet de malto, de mon jus de raisin et compagnie pour faire mes mélanges. Du coup, moi, j'ai opté pour une autre solution, c'est les formats stick. Alors, les formats stick, c'est des formats comme ça. Donc, ça, c'est Finov. J'ai aussi un format Oversteam. Donc, là, c'est des petits sachets comme ça. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est pas très écolo parce que du coup, si on décide de partir sur du long et qu'on veut recharger sur plein de ravitaux, bah, à chaque fois, on a des sachets. C'est un peu ce qui me dérange dans ces formats stick. Je sais que ça existe aussi en pastilles effervescentes. Il y a la marque TA qui propose ça. Je ne connais pas, donc je peux pas vous en dire plus. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que ces boissons de l'effort sont riches en électrolytes. Donc tout ce qui est sels minéraux. Donc tout ce qui est magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc, comme l'a décrit un petit peu Alex. Donc ça, ces sticks-là sont très chargés en sels minéraux. Alors moi, je prends un sachet pour 500 ml. Et j'ai ma petite astuce à moi, c'est que je mets toujours un petit sachet de sel. Donc les petits sachets de sel pardon, qu'on trouve au resto. J'en prends une dizaine, je mets dans la poche et je mets du coup un stick et un petit sachet par flasque. Voilà, ça c'est ma petite astuce à moi. Donc, à chaque fois dans mes flasques, je mets ça. Alors la ceinture type Slim Belt que vous retrouvez dans différentes marques, Salomon, Compressport, Oxytis, Samy. Le système, c'est que c'est une ceinture assez proche du corps, très proche, qui vient vraiment épouser le bassin. Donc il faut bien régler la taille, bien choisir sa taille. Après, vous avez des compartiments sur l'avant, compartiments souvent sur l'arrière et sur le côté. On y glisse une flasque assez facilement. Tac, et après on peut y aller. Moi je préfère la mettre sur l'arrière, donc ici j'arrive pas trop, il faut un peu se contorsionner, donc ce que je fais c'est que je tourne ma ceinture et je la cale comme ça, je la remets derrière et après je peux partir faire mon run. On peut y mettre donc une sur l'avant, mais devant ça bouge un peu, derrière c'est bien calé au niveau du dos, ça bouge pas un pet. L'inconvénient c'est, regardez, vous avez vu, c'est si on prend des flasques qui ne se ferme pas ici, on peut appuyer sur la valve et du coup l'eau peut ressortir. Chose qu'on ne trouve pas ici. Ici c'est un bidon, ça se bloque, ça se débloque. Donc vous avez un autre type de portage où c'est les ceintures plus classiques, vous pouvez y glisser un bidon sur l'arrière. Donc ça c'est un bidon de 500, donc ça c'est une ceinture Salomon. C'est ce qui se faisait il y a entre 3 et 5 ans avant de passer sur des ceintures type Slim Belt comme ça. Donc ici vous pouvez y glisser donc juste un bidon en plus qui du coup se retrouve sur l'arrière. C'est quand même assez facile d'accès, vous avez vu, tac, j'arrive à prendre, je remets, je la rebloque. Donc, il y a beaucoup moins de rangement, il y a juste un petit peu de rangement sur le côté. C'est très bien, l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment bien l'ajuster. Donc ça c'est les ceintures qui s'ajustent avec un scratch. Il faut bien les ajuster au corps, moi souvent c'est au bout de 3-4 km que j'arrive à bien la caler, parce qu'elle a tendance un peu à remonter, contrairement à ces ceintures là. Si la taille est bien réglée dès le départ, ça bouge pas un pet. Ça, c'est vraiment pas mal pour ça. Donc voilà, après à voir ce que vous préférez. C'est un bidon, qui dit bidon, quand on va boire, l'eau va diminuer. Vous allez avoir ce bruit un peu désagréable qui peut être chiant et qu'on n'a pas sur les flasques. Bon, maintenant on va parler du sac avec des flasques. Donc vous voyez là, moi j'ai mis deux flasques sur mon sac là. Je crois que c'est des 500 ou des 600. Alors le gros avantage des flasques, c'est que du coup, par exemple à droite, on peut mettre une boisson isotonique et à gauche, on peut mettre une boisson plus claire. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait du long, la boisson isotonique, on la trouve toujours un petit peu trop sucrée. Du coup, quand c'est trop sucré en goût, on peut coupler avec un petit peu d'eau claire. Ça permet de diminuer un petit peu le goût et l'excès de sucre qu'on peut avoir un peu en bouche. Le gros avantage, c'est que c'est accessible tout de suite. On arrive au ravito, on enlève, on recharge, on remet, on repart. L'inconvénient, c'est qu'on est limité du coup en capacité. Souvent, c'est des 500 ou des 600. Au maxi, on est jusqu'à 1 litre 2. Donc, si jamais on fait du très long et qu'il fait très chaud et que le ravito est loin, bah, sachez qu'on n'a que 1 litre 2 avec nous. Donc, perso, je prends toujours une troisième, soit que je mets sur ma ceinture ou que je mets derrière dans mon sac. Donc, c'est un peu l'inconvénient par rapport
la poche à eau. La poche à eau, on a souvent une capacité plus grande. Donc voilà, donc sinon moi je suis très satisfait des flasques. Je trouve que ça équilibre bien le poids quand c'est sur l'avant des pecs là. Quand le sac est bien ajusté au corps, on les ressent même pas. Ça existe aussi en bidon. Alors moi j'aime pas trop les bidons parce que les bidons ici, au bout d'un moment, je trouve sur le plexus, ça vient appuyer, c'est un plastique dur, donc ça, moi ça me fait un petit peu mal. Donc du coup, les bidons j'ai abandonné, j'avais commencé avec ça. Et après j'ai trouvé les flasques, donc vous avez des flasques de toutes les marques. Hein. Vous avez du Salomon, vous avez du Red Light, vous avez du Decathlon, enfin Evadic maintenant. Vous avez Oxytis, un peu toutes les marques. Ça ballotte pas, donc le système, c'est un système en fait lorsque vous aspirez avec... avec la bouche, vous prenez en même temps l'air, donc du coup vous n'avez pas d'air dans la flasque, donc vous n'avez pas ce bruit désagréable de flottement d'eau. Bon, maintenant on va aborder le thème des poches à eau et des sacs, donc le sac avec la poche à eau. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, lorsque vous remplissez la poche à eau, vous avez vu ce bruit désagréable, donc pour éviter ça, ce que vous faites, c'est que vous retournez la poche et vous aspirez. Le fait d'aspirer, du coup, vous avez aspiré tout l'air. Regardez, on n'entend quasiment plus rien. Là, il n'y a plus le bruit désagréable de l'eau. Des fois, on entend certaines personnes qui se demandent pourquoi la poche à eau, pourquoi l'eau se réchauffe lorsque vous avez une poche à eau. Vous avez la poche à eau qui est au niveau du dos, au niveau du sac, et avec la chaleur du corps, ça se réchauffe. Ça existe avec des. Donc vous pouvez pallier ce problème avec des poches isothermes. Vous mettez votre poche à eau dans le sac isotherme. Là, voilà mon sac est équipé avec la poche à eau. Vous avez vu, c'est juste un tuyau. Je prends, je bois. Gros avantage, c'est que du coup on a une capacité qui est plus importante. Vous vous souvenez que les flasques, on était entre 1 litre et 1 litre 2, selon si c'était des flasques de 500 ou des flasques de 600. Et là, je suis sur une poche de 2 litres. Vous avez vu, j'ai doublé mon volume d'hydratation. Du coup, je peux partir sur des distances plus longues. Donc devant, remplacement des flasques, du coup, est libéré, je peux y rajouter des choses. Par contre, mon volume d'intérieur de sac est limité parce que du coup j'ai une poche qui vient remplir ce volume, donc j'ai une poche de 2 litres derrière, donc ma capacité d'emport sur l'arrière est diminuée. Du coup, la dernière fois je vous ai parlé au niveau des flasques, je vous ai dit que les sacs avaient les marques souvent proposaient des flasques adaptées au sac. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, par exemple, ça c'est une flasque Salomon dans un sac Nathan. Vous avez vu, ici tout va bien. Lorsque je vais boire, ben, ma flasque va se vider. Et je vais me retrouver avec deux vieux nichons là qui se baladent. Donc sur ce sac là, j'ai fait un petit rajout. On a rajouté un peu de scratch, voilà, de façon à tenir. Comme ça, quand ma flasque va se vider, elle sera toujours tenue vers le haut. Et ça, quand j'ai acheté ce sac, je ne savais pas, ça je me suis fait avoir. Sans ce système-là, j'avais mes flasques qui se baladaient comme ça, c'était hyper désagréable. Donc faites attention, si vous achetez un sac, essayez de prendre les flasques adaptées au sac. Bon les copains, j'espère que cette petite vidéo sur l'hydratation apportera quelques réponses à vos interrogations. Donc, vous avez vu qu'on part avec un sac ou avec une ceinture, avec une poche à eau ou des flasques. Il y a des avantages, des inconvénients. Bon, voilà, maintenant ça sera à chacun de voir. Moi perso, sur du court, je prends la ceinture avec une flasque, et sur du long, je pars avec mon sac et mes deux flasques, voire une troisième flasque dans le dos.